Bon, bonjour à vous pour cette conférence sur les aides à la mobilité des jeunes chercheurs et critiques d'art qui sont pilotées conjointement par l'Institut français de l'achat. C'est l'occasion de rappeler que ces bourses existent désormais depuis plusieurs années, qu'elles sont le fruit d'une collaboration active entre ces deux institutions. Du côté de l'Institut français, de remercier Marie-Cécile Burnichon et Vincent Gonzalves qui font en sorte que l'ensemble du projet puisse se dérouler. Remercier la Direction générale de la création artistique, sa directrice et ses services qui financent ce projet, donc sans qui il ne pourrait évidemment pas exister. La revue critique d'art, en particulier sa responsable éditoriale, Sylvie Mokhtari, que je salue aussi. Cette rencontre sera l'occasion d'entendre des lauréats des deux dernières années de ces bourses, Laurence Corbel et Déborah Lax pour l'aide à la mobilité internationale et Clélia Zernik et Lilian Froger pour l'aide à l'écriture et à la publication d'un essai critique. Je veux aussi remercier à l'intérieur de l'INHA les équipes que cette manifestation peut se dérouler. D'abord, celle qui coordonne ce programme pour l'INHA, Elitsa Dugaova, qui est conseillère scientifique à l'INHA, et puis les chargés d'études et de recherche qui ont travaillé avec elle sur ce projet, Léa Le Bonnieu, Julia Raymond et Aurore Puteau. Et puis l'équipe logistique, à la fois ceux qui font les captations, qui font en sorte que la salle soit en état, etc., le service des moyens techniques, Maxime Grel et Laurent Pateau, le service des manifestations et puis le service de la communication qui a fait qu'il y a eu une très large communication autour de cette opération. Peut-être sans rentrer dans les détails, peut-être quelqu'un d'autre dira un mot plus précis sur, sur ce que l'on va entendre. Véritablement, ce qui nous importe, en tout cas à l'INHA, c'est le fait de soutenir à l'intérieur de l'histoire de l'art cette partie qui est intégrante à l'histoire de l'art, qui est la critique d'art. Il ne s'agit pas d'une espèce de chose marginale, il ne s'agit pas d'un travail qui serait de moindre intérêt, de moindre importance que l'histoire de l'art telle qu'elle se fait à l'université ou autre. Il s'agit bien d'une partie intégrante. La critique d'art n'est pas seulement ce que les historiens d'art étudient rétrospectivement, et trop souvent ça n'est que ça, c'est aussi ce que les historiens d'art font lorsqu'ils considèrent l'art de leur époque et lorsqu'ils s'y engagent, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une perspective historique, c'est le cas de beaucoup des intervenants d'aujourd'hui, mais en tout cas qu'ils se positionnent de façon très claire sur ce terrain de la création contemporaine. Deuxième aspect qui nous importe également de façon très profonde, c'est cette ouverture internationale. C'est le fait que nous ne vivons plus dans une époque où l'histoire de l'art pourrait se faire entre quelques pays, et en particulier pas les vieux pays du vieux continent européen, mais qu'il y a besoin d'une circulation qui soit une circulation large à l'intérieur du continent, et puis plus largement, de la même façon que l'histoire de l'art ne peut plus être uniquement une histoire de l'art si elle n'a jamais été. L'a été pendant des petites périodes qui ne sont pas forcément les plus glorieuses, uniquement une histoire de l'art qui se consacrerait à des objets ou à des thèmes qui auraient été consacrés par des décennies et des décennies de tradition. Il y a une manière de travailler sur des objets frontières, de travailler sur des aspects pluridisciplinaires, de sortir d'un cadre de référence qui est un cadre de référence confortable, pour au contraire envisager des modes l'approche de l'œuvre d'art, de la création, beaucoup plus large et beaucoup plus transversaux. Et c'est ce qu'on va aussi entendre aujourd'hui, me semble-t-il, pour autant que j'ai lu les différents intervenants, je crois que c'est une des choses qu'on retrouve chez eux. Et puis, troisième aspect, c'est évidemment le soutien à la jeune recherche. Alors, nous vivons dans une période où on préfère toujours l'émergent à autre chose. Pour moi, là encore, ça ne doit pas être exclusif d'un soutien à la recherche confirmée, voire même à la vieille recherche, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très important aussi de faire en sorte
et je remercie pour ça nos partenaires, de faire en sorte que la jeune recherche puisse être soutenue, que des projets qui sont des projets qui ne correspondent pas forcément au clou de projets beaucoup mieux balisés puissent être développés, porter du fruit dans le long terme. Et aussi à court terme, c'est pourquoi la collaboration avec Critique d'Art est importante, puisque ça permet de faire en sorte que cette recherche ait un débouché et des publications très, très rapides, et puis ensuite qu'elle puisse irriguer au-delà des circuits qui sont les circuits traditionnels, au-delà de ceux qui se rassemblent dans une salle pour écouter les intervenants, comme nous allons faire maintenant, et j'en suis absolument ravi. Merci. De la Villa Kujoyama, Annie
Larissa Dryansky et Elisa pour cette année. Voilà. Donc, je souhaite une bonne soirée à tous et de bonnes lectures. À rendre hommage aux quatre derniers lauréats. Il va se dérouler en deux parties. Donc une première partie consacrée aux bourses de mobilité internationale recherche innovante en art contemporain. Donc c'est des bourses destinées à des chercheurs, donc des détenteurs de doctorat. Et une deuxième partie consacrée à l'aide à, l'aide à l'écriture et à la... l'aide à l'écriture et à la publication critique, l'intitulé exact, qui est donc une aide à la critique d'art, en début, aux critiques d'art en début de carrière, et qui se conclut par une publication dans la revue Critique d'art. Donc la première partie, comme vous avez pu le voir dans les petits dépliants, s'intitule « Ce que la mobilité fait à la recherche », et la deuxième, « L'écriture critique aujourd'hui ». Alors je mentionne simplement peut-être les lauréates des premières années, qui... il y a eu une première édition qui ont déjà eu droit à leur propre restitution. Donc pour la bourse à la mobilité, c'était Anne Zeint qui se joindra à nous un petit peu plus tard parce qu'elle arrive de Rennes aujourd'hui. Et pour la bourse à l'écriture, c'est Julie Crène. Voilà, alors j'oublie la feuille de ma présentation. J'invite donc pour cette première partie qui s'appelle donc ce que la mobilité fait à la recherche. Donc on va entendre les deux dernières lauréates, donc la lauréate 2017 et 2018, puis ensuite avec Vincent Gonzalez de l'Institut français, on va animer donc le débat ou la discussion. J'invite donc la lauréate de 2017, Laurence Corbel, à venir nous parler. Donc je la présente. Laurence Corbel est maître de conférence en esthétique et en philosophie de l'art à l'Université de Rennes. Ses recherches portent sur les formes écrites et orales des discours d'artistes de l'époque contemporaine, dans toutes leurs dimensions, dimensions théoriques, critiques, fictionnelles, etc. Elle a publié entre autres l'ouvrage Le discours de l'art, écrit d'artiste 1960-1980 aux presses universitaires de Rennes en 2013 et coordonne actuellement le programme de recherche Écriture et parole d'artistes, contribution aux scènes artistiques contemporaines d'Amérique latine, soutenu par la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et par l'Université de Rennes 2. Elle a reçu l'aide à la mobilité en 2017, ayant soutenu sa thèse depuis moins de 7 ans au moment du concours. Et son projet s'intitulait « Entre art conceptuel et conceptualisme, approche croisée d'une constellation en mouvement ». C'est un projet qu'il a amené au Brésil, dans les fonds d'archives du Musée d'art contemporain de São Paulo, en collaboration avec les équipes de recherche de l'Université de São Paulo. Et avant son départ, son intervention portait sur le partage entre deux aires géographiques, et donc l'Amérique latine et l'Europe et les États-Unis, et aussi sur ce partage qui se traduit aussi dans une certaine historiographie par la distinction entre l'art conceptuel des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest et de l'autre les conceptualismes de l'Amérique latine. Donc c'était à partir de cette opposition que tu avais voulu à l'époque travailler et aussi déconstruire qu'est parti ton projet. Donc je suis très heureuse d'entendre ce que le projet a fait pour toi et comment il évolue aujourd'hui. Bien, merci Elisa pour cette présentation. Donc je vais passer peut-être brièvement sur la façon dont j'ai choisi un peu d'orienter cette aide à la mobilité, enfin du moins le dossier de candidature. Et auparavant, je voudrais remercier à nouveau l'INHA et l'Institut français parce que cette aide à la mobilité a été déterminante et a été une véritable impulsion pour le programme de recherche que je mène par ailleurs. Et
elle m'a, je dirais, donné davantage de place dans le cadre d'un programme de recherche qui est toujours dédié plus à qui est voué à établir des relations entre des chercheurs, des doctorants en Europe et en particulier en Argentine et au Brésil et en Argentine. Et je dois dire que les déplacements que ont permis cette aide ont permis véritablement d'avancer dans le travail. Même si, par ailleurs, comme je l'expliquais, ils ont aussi suscité des questionnements sur lesquels je n'ai pas encore de réponse définitive. Alors, je dirais que c'est vrai que, pour situer un peu le travail, à propos de ce que j'avais intitulé « Approche croisée », certainement, maintenant, je donnerai un autre titre à la recherche, je voudrais dire que la consultation de plusieurs fonds d'archives, alors prioritairement celle du MAC-USP à São Paulo, dont je reparlerai, mais aussi des archives privées et des archives dans d'autres institutions du Brésil, en particulier le Centre culturel de São Paulo, qui a acquis récemment le fonds de l'exposition à la Biennale sur le mail art, ont montré en fait le caractère extrêmement hétérogène des pratiques qui sont affiliées au conceptualisme, je le dis au pluriel, d'Amérique latine. Alors c'est vrai que dans la mesure où ma thèse portait sur les productions discursives des artistes du côté de l'Europe et des États-Unis, la question du statut de l'écrit comme œuvre ou comme cadre des œuvres était une dimension importante de la question de l'affiliation à l'art conceptuel. Affiliation dont j'avais remarqué qu'elle était d'ailleurs souvent contestée par les artistes, même presque systématiquement par des artistes en Europe et même aux États-Unis. Donc il y avait ce problème d'abord des catégories artistiques par lesquelles on désigne des pratiques artistiques, et on sait que ces catégories artistiques ne sont jamais neutres. Et j'avais remarqué qu'il y avait une reconfiguration de la terminologie, ainsi que de nombreux débats autour de cette terminologie. Donc j'étais partie de là. Il est vrai que j'avais aussi ce contexte plus large du programme de recherche qui est financé pour 2 ans, qui était financé par la Maison des sciences humaines de Bretagne et par l'Université Rennes 2, qui portait sur un prisme beaucoup plus large des écrits, mais qui permettait aussi, qui m'a permis de resituer les filiations des conceptualismes en Amérique latine. Alors, cette recherche, elle était beaucoup plus large que les 2 déplacements que j'ai faits jusqu'ici en Amérique latine, à savoir plusieurs fois au Brésil et également en Argentine. Elle couvrait la Colombie, Cuba, le Mexique, en plus de l'Argentine et du Brésil. Et donc, le programme initial qui a évolué en 2 ans était... reposait sur une équipe d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs, de doctorants, également d'artistes, qui travaillaient sur cette question des pratiques discursives. Donc cette question de la délimitation de l'art conceptuel qui concernait spécifiquement le champ des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest, pour moi, et des conceptualismes, témoignaient, j'ai commencé par un état des lieux. Il y a eu beaucoup d'expositions récemment qui reposaient sur des approches comparatistes, où étaient confrontées des œuvres, des démarches artistiques et des expositions dans le cadre de ces 2 ensembles géographiques. Il me semblait intéressant de proposer un éclairage un peu différent de ce que j'ai appelé, en reprenant une expression de Bourleau, le moment conceptuel, à partir de plusieurs perspectives. Alors c'est vrai que quand on parle d'art conceptuel, il y a toujours ce fond qui est
cette idée que l'art conceptuel est un des premiers mouvements à ne pas avoir de centre géographique, qu'il était peut-être, on va dire, une pratique artistique qui favorisait un peu la mise en question de ce binarisme, hein, entre le centre et les périphéries. Puisque, en fait, on constatait que subsistait encore une lecture un peu uniformisante, hein, et relativement décontextualisée de ce mouvement, pour cette raison même de cette circulation. Mouvement qui était centré sur des figures tutélaires cantonnées au terrain américain européen et nord-américain. Alors, depuis plusieurs décennies, je n'entrerai pas dans le détail, hein, mais de nombreuses publications, de nombreuses expositions ont mis au jour, hein, le caractère conflictuel de ces pratiques conceptuelles qui émergent dans des contextes sociaux, économiques, politiques très différents et qui s'inscrivent aussi dans des histoires singulières qui résistent, hein, on peut le constater, à l'élaboration d'un discours et même d'une théorie unifiée. Alors c'est vrai que par rapport à l'approche restrictive qui a prévalu longtemps, enfin qui a prévalu dans les années 60, 1960, ces travaux ont le mérite, hein, de considérer l'histoire de l'art conceptuel dans une perspective élargie, chronologiquement et géographiquement, et dans une perspective qui est ouverte à des pratiques qui étaient souvent laissées dans les marges du canon établi, si je puis dire. Donc, ce faisant, ils ont vraiment souligné cette identité plurielle et mouvante, hein, alors cette notion d'identité, je la mets entre guillemets, qui tient autant, me semble-t-il, aux pratiques plastiques qu'il faut articuler, plastiques et discursives des artistes, qu'il faut articuler aux récits historiographiques et aux théorisations auxquelles elles ont donné lieu. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'un champ de différence, hein, à propos de l'art conceptuel, et s'est posé la question des critères, cette question des critères s'est déplacée vers celle assez controversée, hein, de l'impact des conditions géographiques, sociales, politiques, des productions des œuvres, dont témoignait l'idée d'un conceptualisme global, hein, je reprends une expression qui avait été utilisée lors d'une exposition, conceptualisme global qui désignait quand même non pas un art conceptuel globalisé, mais qui voulait articuler une approche transnationale et des lectures globales. Donc ça, c'était déjà un cadre interprétatif qui me semblait intéressant, puisqu'il a permis de donner une visibilité au conceptualisme, hein, au pluriel, latino-américain, qui était resté jusqu'à il y a encore peu de temps dans les marges de l'histoire de l'art conceptuel. Toutefois, il me semble que ces approches n'échappaient pas à certains écueils, notamment celui de présenter les conceptualismes latino-américains comme un art conceptuel inversé. C'est un peu la perspective de la commissaire d'exposition Ramirez et de Kamnitzer. Et d'en faire aussi un ensemble qui restait encore, à mon avis, pas suffisamment différencié parce que, d'une certaine manière, il appliquait de l'extérieur, hein, des questionnements qui étaient ceux d'un art conceptuel occidental, hein, même dans la perspective justement de cette inversion. Il me semble aussi que ça occultait certaines pratiques qui, dans le temps et dans l'espace, qui étaient éloignées dans le temps et dans l'espace, mais qui manifestaient, qui témoignaient d'un certain nombre de connexions. Donc, l'hypothèse de départ, et elle a un peu évolué, je vous expliquerai pourquoi au fil du travail que j'ai conduit dans le cadre de cette recherche, j'avais pris le parti d'une double lecture, hein, qui permettait de démultiplier les points de vue, tout en interrogeant bien sûr ces hiérarchies, et qui surtout questionnait la pertinence de ces polarités, hein, qui structurent toutes ces pratiques affiliées à ce moment conceptuel. Donc mon idée dans cette approche croisée, c'était en fait davantage l'idée d'une approche qu'on pourrait caractériser dialectique, c'est-à-dire que j'avais repéré un certain nombre d'œuvres dans un premier temps qui permettaient qu'on pouvait faire entrer en dialogue et qui permettaient par exemple d'interroger les conceptualismes, certaines pièces d'artistes dits conceptuels d'Amérique latine à partir des pratiques de l'art conceptuel européen et états-unien. Et réciproquement,
d'interroger ces dernières pratiques à partir de pièces produites par des artistes dits conceptualistes, on va dire, pour reprendre cette terminologie. Cette approche croisée qui se proposait une approche dans une relative symétrie, elle posait aussi cette question de la délimitation, peut-être pas tant de la définition que de la délimitation de l'art conceptuel, qui se manifestait dans une espèce de pluralisation constante des catégories artistiques, des appellations, des labels, témoin aussi de cette diversité extrême des pratiques qui vous pouvez cartographier dans cette scène conceptuelle. Cette pluralisation, elle se manifestait par exemple par des appellations qui étaient d'ailleurs plus le fait de critiques d'art ou de commissaires, qui étaient parfois critiquées par les artistes. Et ça, c'est intéressant de voir cette discussion, ces débats qui ont pu avoir lieu entre les artistes quand ils écrivent sur leurs propres pratiques et les discours que tiennent les critiques ou les commissaires sur ces mêmes pratiques, de conceptualisme politique, conceptualisme idéologique ou de no-objectualismo, par exemple, qui semblait orienter tout le temps cet art conceptuel vers un processus de spécification toujours plus accru, selon des ramifications qu'il fallait inscrire non seulement dans une histoire globale, comme je le verrais, mais aussi dans une histoire rapprochée, dans une micro-histoire. Et il me semble que j'ai bien plus développé cette perspective d'approche à échelle locale, ou en tout cas, si elles ne sont pas locales, elles sont, on va dire, restreintes, non pas tant géographiquement que du point de vue des artistes qu'elles permettent de mettre en relation. Je dirais que ces catégories, elles étaient aussi très polysémiques et elles m'ont causé bien des problèmes. Ce qui m'a conduit d'ailleurs, et notamment, je suis retournée 3 mois au Brésil cette année, puisque j'avais un CRCT, un congé pour recherche, et où là, j'ai pu rencontrer des commissaires et des artistes, et je me suis rendu compte que l'usage qu'ils faisaient de cette pratique de l'art conceptuel, et ça avait déjà été l'enjeu de discussion avec Christina Frère, qui m'a accueillie au MAC-USP, que finalement, ce n'était plus vraiment le problème, cette question des labels et des catégories qui a tant occupé les débats, elle n'était plus vraiment une question efficiente pour approcher cet art-là, et que c'était peut-être pas tant à partir des désignations qu'il fallait travailler que des usages de ces désignations, qui parlent, qui emploient tels usages, et comment ces pratiques sont abordées par la scène contemporaine actuelle. On observe en particulier au Brésil, qu'il y avait une relecture par les artistes de ces conceptualistes des années 60. Ils s'y intéressent beaucoup. Et finalement, ils reprennent assez rarement ce terme de conceptualisme, mais ils parlent d'art conceptuel. Pareil dans les galeries, quand il y a des galeries qui sont, d'une certaine manière, plus orientées, plus ancrées dans des pratiques conceptuelles, elles emploient sans aucun problème le terme d'art conceptuel, et quand j'arrive avec mes questions en disant mais est-ce que cet usage ne soulève pas un certain nombre de questions, ça rencontrait pas d'écho. Donc peut-être j'avais formulé une mauvaise question, mais je l'avais formulée à la lueur de débats et de discussions qui avaient beaucoup occupé pas seulement les textes des catalogues d'exposition, mais aussi tous les articles des spécialistes concernant cette aire géographique. Alors, le MAC-USP, alors je vais peut-être ouvrir le PowerPoint. Voilà. Alors,
Quand on va faire la recherche dans les archives, je crois qu'on sait souvent pas ce qu'on va y trouver. Dans mon cas, je dirais que les surprises n'ont cessé de rebondir, puisque lorsque j'ai commencé à prendre des rendez-vous avec le service de documentation du MacUSP, on m'a annoncé, en fait, que les archives étaient en cours de déménagement et qu'elles étaient en boîte. Et donc, je ne pourrais pas y avoir accès. Alors, effectivement, les archives se trouvaient encore, pour la plus grande part d'entre elles, puisque quand je suis arrivée, le déménagement n'avait pas encore lieu, dans cet endroit qui est l'ancien bâtiment du musée d'art contemporain, qui se trouve, en fait, sur le campus de l'université de São Paulo. Et elles sont en cours de déménagement et pour une part arrivées là au musée d'art moderne contemporain de São Paulo, qui se trouve à un autre lieu et qui est assez éloigné géographiquement de cet endroit où se trouvait le service de documentation, où se trouve toujours le service de documentation et où se trouvaient aussi tous les éléments de ce qu'on appelle la réserve. Hein. Alors avant... Dans la mesure où je travaillais sur la conceptuelle, j'ai mis un certain temps et je n'ai compris qu'à mon arrivée à São Paulo. Et c'est vrai que si j'ai un conseil à donner, c'est toujours bien d'aller voir les archives avant pour savoir comment, en l'occurrence, là, la banque de données, elle est consultable uniquement sur place, en ligne. Elle est en ligne, mais elle est uniquement consultable sur place. Et pour la réserve, je n'y avais pas accès directement. Il fallait que je passe par les documentalistes qui établissaient une liste des œuvres que je pouvais consulter, que je pouvais regarder. Hein. Donc ça a été quand même quelque chose qui a considérablement... je ne sais pas comment je... Sur quoi j'appuie ? Voilà. Donc vous avez là maintenant, c'est une photo qui n'est pas très bonne que j'ai prise. Ça c'est par exemple la réserve qui est maintenant donc du côté au musée, avec des œuvres au sens traditionnel du terme et avec un ensemble aussi de grands caissons avec des tas de tiroirs où se trouve là tout ce qui relève de la documentation de pièces dites conceptuelles, revues d'artistes, livres d'artistes, notes de projet, restitution d'expériences lors des expositions. Tandis que vous avez dans le fond de la documentation des dossiers qui sont classés par artistes et dans lesquels se trouve tout ce qui concerne la correspondance entre les artistes et les commissaires, l'organisation des expositions, les dossiers de presse, les communiqués des artistes sur leur travail, tout un tas de documents sur le coût des pièces, les assurances, etc. Donc voilà. Alors, ce que j'avais fait avant de partir, c'est que j'avais quand même consulté, il y a trois volumes hein, qui restituent une partie, qui ont été édités par Christina Frère, de cette collection d'art conceptuel hein, qui s'appelle donc Terra Incognita et qui recense les pièces hein, qui sont détenues dans le fond du MacUSP. Donc j'ai donc commencé dans un premier temps par consulter ces fonds de documentation puisque tout était en caisse du côté des pièces. Ça m'a quand même permis d'avoir... une idée de ce qui avait été présenté au MacUSP, des différentes expositions qu'il y avait pu avoir. Et donc là, j'ai trouvé ce type de documentation, hein, des affiches, des catalogues. Là, vous avez un catalogue d'exposition hein, qui témoigne aussi de la mise en place de formats un peu spécifiques. Hein, et donc qui témoigne aussi, si vous regardez la liste, du caractère international de cette collection, puisque la plupart des expositions ont été faites dans le cadre d'invitations à une scène artistique extrêmement large, d'Amérique latine, mais aussi d'Europe, hein,
avec des Fred Forrest, hein, qui a beaucoup, par exemple, qui est beaucoup intervenu, qui a eu beaucoup d'échanges avec le Mac USP. Donc ça sont des exemples de ce que j'ai pu voir la première fois que j'y suis allée, lorsque j'ai eu l'aide. Avec des pièces, parfois, quand même, le principe du classement n'était pas toujours très clair. J'ai mis du temps à comprendre, et je crois que j'ai encore pas toujours compris comment cette classification elle se fait, parce que, en fait, ce qui est aussi intéressant avec cette collection, c'est qu'elle engage la question de ce que c'est qu'une œuvre, par rapport à ce que c'est qu'une documentation. Et la frontière n'est pas toujours très claire. Et il m'est arrivé de trouver dans les deux fonds des pièces, notamment ce petit catalogue-là. Je l'ai trouvé dans la documentation et dans la réserve, il était présent. Alors, je pouvais aussi trouver ce type de document. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans la réserve. Donc c'est un dossier qui est une note de projet. Alors la grande difficulté, c'est que quand j'ai eu accès à la réserve, puisque un certain nombre de pièces avaient pu être déménagées cet été, je n'y ai eu accès qu'en présence d'un documentaliste qui portait des gants et qui me montrait toutes les pièces. Je ne pouvais pas, qui les manipulait lui-même, et je ne pouvais pas toucher ces pièces. Hein. Donc ça veut dire que c'est très long. J'ai passé 3 après-midi avec ce documentaliste, ça le mobilise. Pendant ce temps-là, j'ai eu un accueil absolument excellent, comme toujours au Brésil. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette difficulté qu'on n'a pas d'autonomie dans la consultation de ces pièces conceptuelles qui sont très fragiles, hein, qui sont parfois déjà un peu abîmées, sont des feuilles agrafées, des feuilles libres. Il manque parfois, des choses ont été perdues. Les collections n'ont pas toujours été bien conservées. Donc il y avait vraiment cette caractéristique qui faisait qu'il a d'abord fallu que je comprenne comment fonctionnait le classement et que je puisse aussi y avoir accès, hein, ce que j'ai pu faire en deux temps, finalement. Et donc je crois qu'il faut que j'y retourne, c'est prévu. Alors, il y a aussi une bibliothèque, hein, au Mac USP qui est extrêmement bien fournie, qui m'a donné accès à des catalogues que je n'avais pas pu consulter en France, et en particulier à des revues et des publications d'artistes. Hein. Alors, je dirais que le premier constat que j'ai fait lorsque j'y suis allée à l'été 2017, c'est que la plupart des choses sur lesquelles je pouvais travailler au Mac USP, c'était essentiellement des travaux type publication d'artistes. Des livres d'artistes, des revues, et beaucoup de pièces qui relevaient en fait de ce qu'on appelle le mail art, hein, c'est-à-dire des cartes postales. Il y avait aussi de la poésie visuelle, beaucoup de photographies qui documentaient les performances ou les actions qui avaient eu lieu au cours des expositions. Hein. Donc le fil, hein, de cette collection, c'est les expositions qui étaient organisées, notamment par cette figure qui est très connue, hein, Walter Zanini, hein, qui a été directeur du musée du Mac USP de 1973 à 1978 et qui a mis en place, hein, des expositions tout à fait singulières et tout à fait originales dans un contexte politique qui était pour le moins troublé, puisque c'était celui de la dictature, et qui a permis de donner visibilité à des artistes qui n'en auraient pas eu dans ce contexte politique-là. Donc, à ce titre, cette collection est tout à fait singulière, elle est unique, hein, et elle est extrêmement riche. J'ai par exemple... Alors, ce que je peux dire, puisqu'on me signale que j'ai plus trop de temps, comment est-ce que ce projet initial s'est reconfiguré ? Alors, outre le fait que j'ai un peu lâché sur la question des catégories, parce que en réalité, j'avais bien du mal à m'en dépêtrer, et j'ai bien vu qu'elle n'était pas forcément pertinente toujours, il m'a semblé donc intéressant de travailler sur des supports qui témoignaient plus que des écarts et des différences dont j'étais partie, qui témoignaient de collaboration, de rencontres et de dialogues. Hein. Alors, il y a particulièrement, je le dis parce que j'ai écrit un article, hein, sur cette revue Malassartès,
qui est une revue dans laquelle sont publiés aussi bien des artistes et des critiques d'art brésiliens que des artistes conceptuels comme Terry Smith, comme Kossuth, ou même comme Alan Caprot de Fluxus. Donc c'est une revue qui avait une double visée, celle de réfléchir à la pertinence de l'existence d'un art brésilien et qui revendiquait cette existence tout en l'inscrivant dans une scène internationale et dans une perspective de dialogue absolument impérative. Autre document qui m'a semblé très intéressant, c'est ce catalogue publié dans le cadre du boycott de la Biennale de São Paulo, dans lequel interviennent aussi, là encore, des artistes américains et des artistes d'Amérique latine. Alors là, il y a des dialogues tout à fait intéressants dans la juxtaposition de la confrontation des pièces. Il y a par exemple cette pièce, toujours puisque c'était dans le cadre du boycott de la Biennale, des œuvres politiques, hein, des œuvres qui affirment aussi cette identité, enfin cette identité d'Amérique latine contre l'hégémonie états-unienne, mais c'est fait dans le cadre d'un échange et d'un dialogue. J'ai aussi travaillé sur des pièces qui entretiennent un dialogue très direct, hein, avec des pratiques conceptuelles. Ici, c'est une œuvre de Costa, qui est un artiste argentin, et qui joue avec ces questions de chronologie qui ont beaucoup occuper les critiques d'art, hein, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Et donc il reprend le statement de Wiener d'une manière un peu ironique, hein, pour critiquer cette question des chronologies qui finalement ne font que conforter les hiérarchies en place. Et voilà, alors pour ce que m'a aussi permis de faire cette bourse à la mobilité, c'est cette exposition. Hein, il y a un axe de recherche dans le laboratoire dans lequel je travaille qui est consacré aux livres, aux publications d'artistes. Et donc j'ai organisé avec un collègue brésilien cette exposition qui a été accompagnée donc d'un numéro de la revue, comme c'est à chaque fois, et dans laquelle se trouvait, comme on peut le voir ici, plusieurs vitrines qui étaient consacrées spécifiquement à des travaux conceptuels. Hein. Alors pour terminer, je suis en train, c'est le début de boucler ce programme par une publication dans laquelle il y aura quelques articles qui vont être consacrés à cette question des conceptualismes en Amérique latine, mais pas seulement, hein, la publication est plus large puisqu'elle clôt le programme de recherche que nous avons conduit à plusieurs. Et voilà. Donc je conclurai, hein, en disant que l'intérêt de cette bourse, hein, me semble-t-il, c'est qu'elle est, quand j'ai rencontré Vincent et Elitsa, avant de partir, on m'a dit ah, tu as carte blanche quasiment, c'est-à-dire que j'avais une institution qui me recevait, qui était mon institution de référence. Et c'est vrai que compte tenu des circonstances, on m'avait dit, mais tu peux aller voir d'autres institutions, tu peux circuler, tu peux même te déplacer, aller voir des expositions ailleurs. Et c'est vrai que j'ai pu le faire grâce à cette liberté, hein, ce cadre très ouvert qui est celui de cette bourse. Et j'ai pu nouer des contacts avec des équipes de recherche, avec des artistes. Je suis un peu perplexe, hein, sur la suite, dans la mesure où on avait commencé à penser à travailler ensemble dans le cadre des bourses, hein, qui existent au Brésil. Les dernières nouvelles sont mauvaises. Les budgets ont déjà été réduits, voire supprimés. Je ne sais pas trop comment les choses vont évoluer, mais pour le moment, la situation est un peu critique. Et elle est aussi critique, hein, pour ces collections qui rencontraient déjà beaucoup de problèmes pour être valorisées et qui risquent d'être mises de côté dans une espèce de hiérarchie. C'était déjà un peu la tendance, hein, j'en avais parlé avec Christina Frère, où la priorité était donnée plutôt aux recherches côté sciences dures. Hein. Et l'art étant la dernière roue du carrosse du côté des sciences humaines et des arts.
Voilà, donc j'espère pouvoir poursuivre hein, avec ces équipes de chercheurs et ces contacts avec les artistes. Il y a une nouvelle exposition qui est prévue avec un artiste brésilien l'année prochaine au cabinet du livre d'artistes. J'espère pouvoir poursuivre le travail que j'ai. C'est toujours un peu long de prendre ces contacts, mais bon, ils sont maintenant établis. J'espère qu'on pourra poursuivre le travail. J'hésitais beaucoup, mais j'ai finalement pris un billet pour le Brésil, pour le mois de février. Je vous remercie.